invite à vous lever, je vais lire un passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler dans ce passage. Je lis à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour des gens non aimables, pour des pécheurs. La Bible déclare que tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont dans les, la désobéissance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Donc, il nous demande d'aimer les gens non aimables. Il nous demande d'aimer les pécheurs, les pires des hommes, et d'être prêts même à donner notre vie. Pour de telles personnes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce passage souligne plusieurs choses, mais surtout que si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons accepter d'aimer. Nous devons permettre que le Seigneur, par son esprit, produise son fruit en nous. Il y a une liste donnée dans Galates 5, mais ça commence avec le mot Amour, le fruit de l'esprit. Et aussi, c'est lié ici au simple fait de gagner des armes. Être prêt à donner sa vie, mais son temps, son énergie et sa vie pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, c'est aimer. Et le Seigneur nous demande nous d'aimer demande ainsi. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous guide. Qui nous transforme. Que tous soient de vrais disciples. Que personne ne se trompe, car nous pouvons tromper nos propres cœurs, croyant que tout est bien, quand en fait, nous ne sommes pas en train de faire ta volonté. Selon ta parole, le salut est pour ceux qui, Accomplisse la volonté du Père. Seigneur agit dans nos cœurs, dans nos vies, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parlons en premier du Seigneur. Aimer le Seigneur Jésus-Christ est la clé de notre salut et de la victoire. Le Seigneur ne veut pas qu'on ne serve pas crainte, où il y aura une certaine crainte, et respecte la parole parce que Dieu ne peut pas agir autrement que selon sa parole. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans ce sens la crainte de sa parole, parce que sa parole va nous juger, selon Jésus-Christ dans Jean 12. Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maudit et damné, et le sens du mot. Jean a dit dans son épître, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. David et le Seigneur, dans Jean 14, soulignent l'importance de prouver notre amour envers le Seigneur en mettant ses commandements en pratique. David a dit dans le Psaume 119 au verset 140, Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Au verset 163, il a dit, Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Jésus-Christ a dit dans Jean 14 au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous... Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'iscariote lui dit Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous devons prouver notre amour envers le Seigneur mettant ses commandements en pratique afin de recevoir son esprit et afin d'avoir une relation réelle avec le Père et avec le Fils. Personne ne peut recevoir le vrai Saint-Esprit sans aimer le Seigneur, sa parole et la mettre en pratique. Oui, Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Selon Romains 5 au verset 8, il n'est pas mort pour des justes, mais pour des injustes. La Bible déclare dans Romains 3, 10, qu'il n'y ait point de juste, en tout cas pas par lui-même. Nous pouvons être justifiés, nous pouvons devenir des justes. Grâce à la foi en Christ, grâce à son action en nous, nous devenons l'ouvrage du Christ. Mais en dehors du Christ, il n'y a point de juste. Pas un seul, la Bible dit. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous aimons Jésus-Christ parce que, oui, il s'est donné volontairement. Il est mort pour nous, pour tout homme. Et il est ressuscité. Et il intercède pour nous. Selon Hébreu chapitre 7, au verset 25, il est notre souverain sacrificateur. Il intercède auprès du Père et il est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Selon 1 Jean chapitre 2, le premier verset, Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et il intercède de manière efficace. Il est le seul vrai médiateur qui peut nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. Selon Timothée 2, au verset 5. Et c'est lui aussi qui nous délivre du pouvoir du péché. Il a dit dans Jean 8 Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous ne pouvons pas abandonner le péché entièrement par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer nos cœurs entièrement sans son aide. C'est pas la prière, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit qu'une qu femme peut devenir un vrai enfant de Dieu et être adoptée dans la famille de Dieu grâce au Saint-Esprit. Romains 8, on parle. Comment aimer Jésus-Christ, à part en aimant ses commandements, les mettant en pratique Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment de nous Il veut en premier qu'on aime l'Église, qu'on mette l'Église à la première place. C'est quoi l'Église Ce n'est pas une institution, l'Église, c'est vous, c'est moi. Tous ceux qui sont de vrais croyants, qui viennent régulièrement prier ensemble, adorer le Seigneur ensemble. On est réunis en son nom. C'est ça l'Église. Ce n'est pas autre chose. Nous manifestons notre amour envers le Seigneur en aimant les frères et les sœurs en Christ. Selon la Bible, l'Église est le corps du Christ sur terre. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Dans 1 Jean 4, verset 20, l'apôtre a écrit, si quelqu'un dit ⁇ J'aime Dieu ⁇ et qu'il aime son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Dès le départ avec ses disciples dans Matthieu 16, Jésus-Christ soulignait l'importance de l'Église. C'est lui qui bâtit l'Église dans le monde entier qui sont les gens qui font véritablement partie de son Église. Ce sont uniquement les gens qui deviennent de vrais disciples, qui reçoivent son Esprit dans leur cœur, dans leur vie, qui marchent selon ses commandements et qui sont guidés réellement par son Esprit. Ce n'est pas l'étiquette qui compte. Il y a de vrais chrétiens et des croyants qui ne seront pas sauvés dans beaucoup d'églises différentes. Évidemment, il y a des églises qui sont horriblement dans de fausses doctrines. Et parfois, même dans les églises, il y a énormément de fausses doctrines. Il y a des gens qui, qui croient au Seigneur, qui veulent la vérité et qui n'ont pas encore compris comment peut-être trouver une bonne église. Le Seigneur connaît les siens, la Bible dit. Et c'est le Seigneur qui va décider. C'est lui qui contrôle le livre de vie. Je vais en parler cet après-midi. C'est lui qui va juger. Il voit ce qui est dans nos cœurs. Dans Jean 21, au verset 16, nous avons l'histoire de Pierre. Vous vous souvenez que malgré la prophétie qui a été donnée, Pierre est tombé et il a relié le Christ, étant rempli de crainte. Il s'est senti tellement pécheur, il ne voulait même pas aller voir le Christ. Mais le Christ a envoyé un message spécial pour qu'il vienne. Le Seigneur lui avait déjà dit qu'il priait pour lui et qu'il était, il, en fait, il pardonnait en avance. Mais quand il a vu, il a demandé à Pierre trois fois « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Seigneur, Pierre avait dit, quand le Seigneur lui avait dit qu'il allait le renier, il avait dit, mais moi non, peut-être que les autres vont te renier, mais moi jamais, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Et donc le Seigneur lui pose la question trois fois, est-ce que tu m'aimes réellement plus que ceci? Si tu m'aimes, Paix mes agneaux, paix mes brebis. En d'autres termes, aime l'Église, les croyants, aide les enfants, aide les adultes, vit uniquement pour l'Église, pour édifier et bâtir mon église. C'est ce qu'il veut de nous tous. Évidemment, on n'aura pas, tous n'auront pas la même euh, stature. Peut-être personne, comme Pierre, mais il veut que nous aimions son Église, que nous aimions les frères et les sœurs. Il veut aussi que nous aimions même les non-convertis et que nous comprenions que parmi les non-convertis, il y a énormément de gens qui sont déjà dans la pensée du Seigneur et il sait très bien qu'il va se convertir. Donc il faut qu'on se laisse guider pour aider ces personnes, pour trouver ces personnes. Et il veut que tous les hommes dans le monde entier soient évangélisés. Nous devrions prier dans ce sens, nous devrions soutenir des missionnaires dans ce sens. Il dit, prêche toute la création. Tous ne doivent pas enseigner. Mais tous peuvent témoigner. Jacques dit au chapitre 3 qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner car nous serons jugés plus sévèrement. Il s'agit des gens, il s'agit du fait d'enseigner en profondeur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui commencent à enseigner, qui n'ont pas réellement enseigné. aux mains, et ça, Peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est le cas, on le constate sur Facebook et ailleurs. Nous voyons aussi dans Timothée 2, 3 et ailleurs que Paul ne voulait certainement pas que tous enseignent. Il ne permettait pas aux femmes apparemment d'enseigner aux hommes. Il permettait néanmoins que les femmes âgées enseignent à d'autres femmes, dans un cas précis en tout cas. Dans Tite chapitre 2, verset 3, nous lisons dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bannes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. J'ai entendu parfois euh, des gens prêchant, se servant d'Éphésiens. 5 en disant, mais les maris doivent aimer leurs femmes, mais les femmes ne sont pas obligées d'aimer leur mari, mais elles doivent être soumises à leur mari. C'est faux. Qu'est-ce qu'on vient de lire Que les femmes doivent aussi aimer, doivent apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Vous allez me dire, mais. C'est normal d'aimer son mari et en tout cas ses enfants. Peut-être le mari, c'est difficile parfois, mais aimer ses enfants, c'est normal. Ce n'est pas aussi normal que ça. Ce n'est pas toujours facile non plus. Moi, je, je, je suis au courant des femmes qui ont abandonné le mari. Et les enfants qui ne voulaient plus jamais les voir, qu'on n'ait plus Yoka. Nous, nous devons apprendre à aimer les gens non aimables. Est-ce que vous êtes toujours aimable? Élevez votre main si vous êtes toujours aimable. Il y a quelques menteurs, mais pas beaucoup. <laughs> que le Seigneur vous pardonne. Éphésiens 5, verset 23 dit Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Le standard est très élevé. Très élevé. Est-ce que nous aimons ainsi Est-ce que nous avons l'amour du Christ Qui, sachant que Pierre allait le renier, prie pour lui en avance, pardonne en avance. Est-ce que vous comprenez que votre femme, votre mari, l'un et l'autre, ils vont dire des choses, ils vont faire des choses qui vont vous déplaire. Est-ce que vous allez aimer comme, comme Christ a aimé? Est-ce que vous allez être patient comme le Christ? Nous avons beaucoup trop de divorces parmi les gens qui prétendent être chrétiens. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Jésus-Christ a pris une position très, très forte contre... Le divorce et le remariage. Dans Corinthiens, chapitre 7, au verset 1er, Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Paul est resté célibataire parce qu'il voulait se donner pleinement pour gagner des armes. Il avait aussi, il ne faut pas oublier, que Paul avait agi de manière terrible contre l'Église. Il participait quand Étienne a été lapidé. Il allait de ville en ville pour que les chrétiens soient jetés en prison. D'après son témoignage, il avait poussé les croyants à blasphémer contre Dieu. Donc, il y avait sans doute... Il torturait les chrétiens. Donc quand il s'est converti, il ne pouvait pas oublier ces choses. Et il voulait se racheter en quelque sorte. Oui, sa confiance était en Christ, mais il y avait toujours ça qui le poussait. À gagner le plus de personnes possible. Et à accepter les pires problèmes lui-même, les pires souffrances. Il voulait qu'il y ait un certain nombre de personnes comme lui, mais il savait très bien que beaucoup ne pouvaient pas rester célibataires. Donc il a dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps et c'est le mari. Et pareillement, la mari n'a pas autorité sur son propre corps et c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il y a énormément de divorces, il y a énormément, en tout cas, de souffrances et de problèmes, parce que soit le mari ou la femme n'obéissent pas à cette parole. N'oublions pas que si on n'obéit pas à cette parole, nous serons jugés au jour du jugement. C'est parce que vous n'obéissez pas à ce que la parole dit là, pousse votre partenaire à commettre un acte qui est anti-biblique, le cause même à tomber complètement. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable aussi. Il y a des choses terribles qui se passent parmi les hommes. <coughs> Parfois, il y a des hommes ou des femmes qui privent l'autre avec le désir que l'autre tombe pour avoir une raison pour divorcer. Que le Seigneur préserve les croyants de telles pensées et de tels actes. Mais j'en connais trop qui ont agi exactement comme ça. Nous devons tout faire pour aider notre partenaire à servir le Seigneur, à être dans la joie, à ne pas être troublé par quoi que ce soit dans le monde. Nous devrions prier les uns pour les autres dans le corps du Christ. Et nous devrions prier pour absolument tous les croyants, comme Jésus l'a enseigné, de dire délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Aimer Jésus-Christ, oui, c'est aimer son Église. Aimer les autres en général, c'est veiller les uns sur les autres. Si tous ne devraient pas enseigner, en tout cas en profondeur, tous doivent exhorter. Vous savez, Paul ne permettait pas que les gens enseignent ou entrent dans le ministère, à moins que ces gens aient deux qualifications. Il fallait en premier être fidèle, fidèle aux réunions fidèle en la prière, fidèle au niveau du témoignage. Et deuxièmement, la personne devait avoir la capacité d'enseigner. Tous n'ont pas cette capacité. Il y a des gens qui <coughs> étaient limités, mais Dieu les a aidés. À enseigner. Mais tous n'ont pas la capacité. Et Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, n'a pas demandé à tout le monde de le suivre. Comme disciple, à certaines personnes, il leur a dit Mais retourne à ta maison, parle-leur de moi. Il n'a pas permis à n'importe qui de le suivre de près et de faire partie de ses apôtres. C'est le Seigneur qui décide par son esprit. Le Saint-Esprit décide, selon Corinthiens 12, même qui va recevoir tel et tel don. Comme il le veut. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Et il y a énormément de gens guéris. Mais la même personne n'a pas forcément le don de prophétie, etc., etc. Nous sommes. Pousser à rechercher les dons, être ouvert pour que Dieu travaille au travers de nous par les dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide. Nous ne pouvons pas choisir nous-mêmes. Nous pouvons prier et rester humble. Et peut-être que Dieu nous élèvera. Mais c'est Lui qui décide. Mais tous doivent exhorter. Et veillez sur les autres. Lisez chez vous Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 10. Nous devrions exhorter chaque jour. Et nous devrions accepter que d'autres nous exhortent. Et si on ne veille pas les uns sur les autres, si on n'encourage ne, pas les autres à venir régulièrement aux réunions, ces gens vont tomber. Et la Bible dit clairement dans Hébreu 10 qu'on peut tomber si bas qu'on n'arrivera pas à se relever. Nous devons veiller sur nos enfants et sur tous les enfants qui viennent à l'Église. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre, en tout cas. Paix. Mes agneaux et mes brebis. Dans le Proverbe 13, au verset 24, nous voyons que nous devons veiller sur nos propres enfants afin de les corriger. On doit le faire avec amour. Le verset parle de la verge, mais... Si on peut leur parler en premier et les enfants comprennent, ils n'auront pas. Enfin, on n'aura pas besoin d'utiliser la vache. Mais avec certains enfants, quand ils sont tout petits, ça les aide. Si on le, si on le fait correctement, sans être excessif, ou en le faisant avec de l'amertume, ou de l'irritation dans son cœur. La Bible dit celui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Mais c'est surtout le fait de, de parler avec amour qui compte. Et j'étais frappé en lisant Joël. C'est Joël qui a prophétisé l'effusion de l'esprit dans les derniers temps. Dieu désire répandre son esprit sur toute chair, même sur les enfants, que tous parlent en langue, prophétisent, etc., etc. Mais et dans Joël, verset 3, il dit raconte-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qui me frappe dans Joël, il demande qu'on jeûne, et il voulait Absolument que tous les Israélites soient présents. Tous. Même les petits-enfants, même les enfants de ma mère sont mentionnés. Dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 5, ah oui, à propos de cela, Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit avant de naître avant de naître. Il a tressailli de joie avant de naître quand il a entendu la salutation de Marie. Donc c'est important d'être dans les réunions où le Saint-Esprit se manifeste. C'est important d'amener ses enfants. C'est peut-être très difficile à Paris, je ne sais pas ce que vous avez comme contrainte, mais je peux vous dire que vous faites erreur si vous croyez que vos enfants ont absolument besoin de rester à la maison à cause du travail, à cause de l'école. C'est trop fatigant, etc., etc., etc. Je remercie Dieu de ce que mes parents nous a amenés à toutes les réunions et on en avait énormément et souvent c'est dépassé minuit mais dans Joël Dieu voulait que les, les nouveaux-nés soient présents Dieu peut accomplir des choses extraordinaires Dieu veut parler au travers des petits enfants par son esprit. J'ai assisté à une église en Floride il y a des années. L'église avait une école privée. Et donc le pasteur m'a demandé de venir et de, de prêcher, d'enseigner le matin dans leur école. Parce qu'à l'école, ils avaient une heure chaque jour avant les leçons normales. J'étais frappé parce que les tout petits étaient remplis du Saint-Esprit. Une petite fille de 7 ans s'est avancée et m'a parlé comme un adulte. Elle m'a parlé de ses, sa relation avec le Seigneur, de ses visions et du fait que le Seigneur l'avait appelé à devenir missionnaire. Le Seigneur peut accomplir des choses extraordinaires. Si les enfants sont présents, dans le Deutéronome chapitre 6, ce n'est pas uniquement l'Église que nous devons parler du Seigneur. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si vous voulez que vos enfants se convertissent, qu'ils ne s'éloignent pas du Seigneur, parlez-leur le plus possible. Il n'y a aucune garantie, mais si on obéit à la parole, Dieu peut agir. Oui, nous devrions parler, nous devrions exhorter, mais nous devrions surtout être à l'écoute nous-mêmes. Nous recevons des instructions à l'Église parce que le Saint-Esprit inspire. Mais Jésus, dans Matthieu 11, versets 28 et 29, nous invite tous à aller vers Lui et de recevoir ses instructions. Le Seigneur Jésus, par Son Esprit, peut nous enseigner la parole. Mais Il veut surtout nous parler par rapport à son plan pour nous personnellement. Dieu a un plan personnel pour vous. Et il désire aussi vous donner une parole précise pour les autres. Comme il a dit à Ézéchiel au chapitre 33, il nous le dit, tu dois écouter ce qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Peut-être que vous êtes là pour la première fois ou vous venez depuis un certain temps, mais vous n'êtes pas réellement converti. Vous n'avez pas encore donné votre cœur pleinement au Seigneur. Vous ne lui avez pas dit, mais je désire être ton disciple, un vrai disciple. Je veux te suivre, Seigneur. Je crois que tu as les paroles de la vie éternelle. Je vais accomplir ta volonté. Si c'est votre cas, je voudrais prier pour vous. Si aujourd'hui vous voulez vraiment devenir un vrai disciple, si vous voulez avoir l'assurance de votre salut, si vous voulez être conduit en tout temps par le Seigneur, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Et plusieurs, personnes. plusieurs personnes. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Père céleste, je place ma confiance en toi. Tu n'as pas épargné ton propre fils. Tu l'as livré pour nous tous. Tu nous as un peur. Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement. Tu étais sans péché, mais tu es mort pour nos péchés. Et tu es ressuscité pour notre justification. La justification de tous ceux qui te confessent et qui vivent pour toi. Tu es monté en gloire, nous envoyer l'Esprit Saint. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et j'ai besoin de ta délivrance, que tu me donnes la force de chasser les pensées mauvaises. Je désire que mes pensées te glorifient, que mes paroles te glorifient, que mes actions et que mes réactions te glorifient. Change-moi entièrement, que ton esprit vienne en moi. Pour me transformer à ton image. À votre place, priez à votre manière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous demandez à ce qu'il soit votre Seigneur, votre Maître, vous serez sauvés. Père Céleste, je prie pour toute l'Église. Je prie pour les personnes malades dans cette salle. Pour les personnes malades qui ne pouvaient pas venir. Je maudis toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tu démon d'infirmité. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit mauvais soit chassé définitivement. Que nos familles, que les membres de nos familles soient en bonne santé. Selon ta volonté, selon tes promesses. Je prie que tous... Sois délivré des habitudes mauvaises. Coupe ce qui lie certains croyants. Libère au nom de Jésus-Christ. Et remplis-nous. Renouvelle-nous tous par le Saint-Esprit. Élevez vos mains et remercier le Seigneur par la foi. Il ne peut pas mentir. Il a dit, si nous confessons, il pardonnera, il nous purifiera.